Chez nous, hein, ici, ils mettent à 16h, ils commencent à 16h pile. Et après, on rentre plus. Ah non, on garde ce côté sacré. Étant à la retraite, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je suis éloigné de tout, il n'y a pas beaucoup de films dans le coin. C'est là que j'ai décidé de créer un cinéma. J'ai 90 ans et donc je tiens toujours le cinéma. Il y a 50 places, mais on peut monter à 56 si on veut. La place la plus chère, elle est à 9 euros pour ceux qui viennent directement. Et ceux qui sont abonnés et qui sont donateurs ne payent que 4 euros. On a des subventions, mais on a surtout les donateurs. Chaque année, on fait quelques acrobaties. On l'appelle au peuple et ça vient. Et puis, on continue. Ben, bonne séance et puis à tout à l'heure. Chaque semaine, il y a 5 ou 6 films. On passe quand même pas mal de films qui sont un peu en dehors, qui sont cachés dans des boîtes là, qu'on ne voit pas. Et ça, il y a beaucoup de distributeurs qui s'en foutent hein, complètement. Et eux, c'est la publicité. Il faut envoyer le gâteau puis que ça rapporte du fric, hein, c'est tout. Hein. Tandis que chez nous, on ne casse pas la croûte. Il n'y a pas de publicité, rien. Si le film est à 16h, il commence à 16h pile. L'autre jour, eh bien, c'était à 15h. Il y en a qui sont arrivés 5 minutes avant la fin du film. Ces gens-là, j'en veux pas. Ils ont eu de la chance que ce n'était pas une séance programmée, c'était une séance spéciale, parce qu'il y aurait eu les cinéphiles, et il y avait une bagarre, ils se prenaient des coups de pied dans le cul. Hein. C'est incroyable qu'il y ait un cinéma ici. C'est vrai que c'est incroyable. C'est surréaliste. Bon, c'est un peu la maison. On connaît très bien les gens qui sont là, les gens qui viennent, on les connaît aussi. Là, je pense que je connais à peu près 75% du public. Ce qui compte, c'est pas le confort de la salle, c'est ce qu'il y a à l'écran. Et puis, c'est une petite salle, je trouve ça plus amusant que d'aller dans un cinéma. Au début, tout le monde nous a dit, ça marchera pas. C'est une histoire de fou, ça marchera pas. Ah bon, bah ça marchera pas. Puis ça a marché. Et puis ça continue de marcher.